Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Notre live, le live. Bonsoir. Donc, essayez de vous connecter, partager comme vous pouvez. On fait un tout petit live, vite fait. Au regard des nouvelles, on fait un petit live. Et on apporte d'autres nouvelles encore. Martine, bonsoir à toi. Essayez d'appeler toute la famille, qu'on se rassemble. Et puis, bonsoir Madeleine. On se rassemble et puis que je donne un point de vue. J'apporte les éclaircies. Je vous touche encore un peu d'informations. Parce qu'il ne faut vraiment pas être connecté chez CFoot, ni chez CFoot, ni chez Bertolina, ni chez les talibans. Non, pas d'information. Non, aucune information. CFoot, par exemple, a dit, suite à la convocation de Marc Brice Brocante, il a dit que des sources hautement infiltrées. Brice Brocante ne devait pas se rendre à cette convocation-là. Mais nous tous, on a vu Brice Brocante à la fédé. Donc, ne vous fiez pas à ce que ces gars disent. Ils n'ont aucune information. Françoise, coucou à toi. Donc, nous qui avons l'information, on vient toujours calme et plus tard. Calme et plus tard. Calme et plus tard. Vous avez dit, Matt, bonsoir à toi, ma soeur. Quand tu es au Cameroun, Annette, bonsoir. Au Cameroun, quand quelqu'un te menace, tu dis, traverse encore la route ci-là. Parce que la personne a les moyens de sa politique. Hein? Parce que la personne a les moyens de sa politique. Voilà, Christine, bonsoir. Bonsoir. Donc, continuons à partager. Je dis bien, parce que la personne a les moyens de sa politique. J'ai lu, bonsoir Gislain, j'ai lu plusieurs sur certaines pages-là, où les feignants disent, oh non, le président est au fils, s'est excusé, machin. Mon ami, Brice Brocante a d'abord rédigé la lettre d'excuse au roi. Roi. Voilà, commencez d'abord. Elle a rédigé ça au. Et naturellement, le président Eto, il ne s'excuse même pas auprès de Brice Brocante. Il s'excuse auprès des Camerounais qu'il adore. Mais il fallait d'abord faire ce sissia-là. Pour qu'ils comprennent que roi est au Cameroun. Hein? Yaklan. Bonsoir. J'avais dit à Brice Brocante ici depuis le début. Voilà, il y a toujours Patrick Nchente, un taliban. Il me dit que je ne connais pas l'administration. Donc lui, il connaît l'administration plus que moi. Je viens de d'épingler le commentaire de ce taliban pour faire souffrir pendant que j'en ai parlé. J'ai dit à Brice Brocante depuis le début, allez lire mes publications et l'une de mes vidéos, que Brice Brocante, tu ne connais pas le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Parce que tu es venu avec un Congolais qui a l'oreille percée, qui t'arrête comme ça, là, comme demoiselle. Tu imagines que le Cameroun, c'est le Congo. Le Cameroun, ce n'est pas le Congo. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Sisia. Ouais. Quand il racontait ces bêtises-là que c'est lui qui décide, lui-même l'a compris qu'il ne décide rien. Lui-même l'a compris qu'il ne décide rien. Quand le combi a cru qu'il pouvait blaguer, le combi a compris que quand il pisse, son pipi tombe à un mètre. Il y a ceux qui pissent
Le pipi tombe à 2 km de nous. Même le combien a compris. Bonsoir. Oui. Non. C'est le feu. Non, mais 20, c'est 19h du Cameroun, non, tu ignores pas. C'est 19h du Cameroun. Donc, continue à partager. Je vais vous donner la vraie information. L'information ici, écoutons d'abord la partie qui me plaît. Au-delà de la conférence de presse, la partie qui me plaît, c'est ce que l'inspecteur général numéro des services numéro 1 a dit, monsieur Dissake Mbarga, l'inspecteur des services numéro 1 auprès du MINSEP. Il a dit, l'heure n'est plus à la verbalisation inutile. Le président a eu une très bonne séance de travail avec son entraîneur. Là, il parle de tout. En bon chrétien, je dirais que le diable a eu honte. Ici, il est en train de parler de Ntolo. De Tolo et de son pote et de notre combi. Le diable a eu honte. Et si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. L'acceptation de l'autre, le respect d'autrui, je pense que c'est des vertus du football. Je répète. Oh, bonsoir le grand chef à Tebankou, Sa Majesté. Le diable a eu honte. Monsieur Mbarga, qui est le diable? Et c'est là où la bonne information entre. Le diable, c'est ceux qui ont refusé d'écouter les injonctions du président de la République via le premier ministre Jean Gouté, qu'il a eu à donner au secrétaire du premier ministère, au SGPM, le secrétaire général du premier ministère. Mes chers frères et sœurs, je vous raconte encore le Njambo. Après le forcing du moustachu, parce que ma brise là, brise bloquant là, c'est le forcing du moustachu. Acceptons ça. Le forcing du moustachu, accompagné par Charles Ndongo, le directeur de la CIA TV, qui a eu à faire à utiliser la télévision nationale comme plateforme pour faire une propagande absolue de ce monsieur qu'on appelle Marc Brice. Là, je cite les noms, qu'on comprenne. Je ne diffame pas. La CIA TV a fait une propagande terrible. Et pendant ce temps, le président de la Fédération Camerounaise de football, le docteur Samuel Etofis, était peiné par la mort de son géniteur. Et il était en deuil. Net la semaine de l'enterrement, bonsoir, c'est du magasin. Net la semaine de l'enterrement, vous vous souvenez, Mabris est arrivé avec son jean et il y a eu tout le tapage que vous pouvez imaginer. J'ai dit bien, que vous pouvez imaginer. Riche de ce problème-là et de ce tapage, malgré le fait que le président Etofis n'a pas accepté Marc Brice parce qu'il y avait violation des textes. Bonjour, bonsoir, j'arrête. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, et moi je ne manque pas sur son nom, a demandé
au premier ministre d'organiser une réunion de conciliation. Naturellement, au vu du calendrier du premier ministre, c'est compliqué. Cette tâche a été chargée au secrétaire général du premier ministère. Le secrétaire général du premier ministère a eu à organiser la première réunion, malgré la peine de cœur, de deuil du président Eto'o. Il a organisé la première réunion. La réunion est sortie que de poisson, que c'était chaud. Les positions étaient figées et la Fédération camerounaise ne voulait rien entendre. Le MINCEP, de son côté, était dans son zèle. Ça, c'est l'histoire que je vous raconte. Où il disait, d'abord au début, la Fédération ne voulait même rien entendre par rapport au coach. Par la suite, il y a eu encore les messages qui sont venus directement du président. Et vient le premier ministre arriver aux oreilles du secrétaire général du premier ministère pour demander aux deux parties de se rapprocher. Alors il a été décidé que, ok, le président Eto'o, donc ce qui a été décidé là, c'est le président direct, dont le président Paul Biya, qui a décidé ça. C'est arrivé que le président Eto'o devait accepter l'histoire de Brice Brocane pour ne pas verser la honte au gouvernement. Parce que malheureusement, le MINCEP a utilisé une ruse en faisant la propagande de l'arrivée de ce monsieur. Mais que c'est le président Eto'o qui devait nommer le staff technique. Alors, la fédération a dit ok. On accepte Brocante. On va nommer le staff technique. C'est comme ça que le président Eto'o se met à préparer son deuil. Sachant que, à la fin, eux, ils vont nommer le staff technique. C'est de ça qu'il s'agit. Coucou, on y dira. C'est ça la vraie information. Donc, Eto'o avait décidé que non. À la fin, lui et son comex ont décidé qu'ils vont signer le contrat de Brice Brocante. Mais, ils vont nommer, comme les textes le disent, le staff. Le diable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est M. Mbarga. Le diable a nommé ou a fait en sorte qu'on nomme le staff. C'est là où les vrais problèmes commencent. Parce que la Fédération camerounaise de football se rend compte que le MINCEP est dans la position de gâté-gâté. Alors, ils ont dit, ok, nous, on va suivre les conclusions de la réunion au premier ministère. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans ces conclusions, on nous a dit, c'est la décision du président. Ce n'est plus une histoire des hautes instructions. Ce n'est pas une instruction, c'est sa décision. C'est comme ça que... Bonsoir, Victorien. C'est comme ça que la fédération décide de suivre cette décision-là et nomme son staff. Et nomme son staff. Il faut comprendre pourquoi le président Eto'o était campé sur sa décision et il peut gueuler parce qu'il sait que les histoires d'instructions que les gens fabriquent là, haute instruction, lui, il a eu la vraie source de l'instruction. On n'a pas besoin de fabriquer. Lui, il avait la vraie source de l'instruction. Et la vraie source de l'instruction, c'était qu'il doit dormir la carte par rapport à l'entraîneur. Parce qu'aux yeux du monde,
On a amené un blanc, on a tellement fait le boucan. Il ne faut pas montrer que l'État est faible. Ainsi, que le gouvernement est faible, pas l'État. Que le gouvernement est faible. Mais, pour que les deux parties se rapprochent, la fédération va nommer le staff. C'est là où le problème se situe depuis. Hein, se situait depuis. Alors, comme M. Mbarga dit, le diable a eu honte aujourd'hui. Parce que depuis là, comme ils sont trop forts, ils jonglaient. Alors, la fédération a demandé de les, a décidé de les avoir à l'ISUR. À l'ISUR. Le président est au fils d'avoir fait le tour du monde. Il était en France. Après la France, il est descendu en Italie. Après l'Italie, il est allé à Bangkok. Après Bangkok, il est revenu. Donc, pendant 2 mois, le gars montait et descendait. Parce que lui savait qu'il va les prendre à l'ISUR. Parce qu'à l'approche et à la veille du match, là, c'est là où tout le monde va se retrouver sans caleçon. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. La guerre, c'est le plan, les gars. Le seul dirigeant du Cameroun, c'est le président Paul Biya. L'unique, c'est lui. Le reste là, ce sont les pépés du chien. À la fin, c'est lui qui décide. Et ça se suit. Et voilà maintenant comment le diable a été vaincu. On a poussé un blanc de rien du tout à chercher à manquer de respect à une légende, pas camerounaise, mais africaine. Tout simplement parce que les gens comme les Tolo veulent montrer qu'ils existent. Tolo, tu étais où alors? Tolo, tu étais où? Pourquoi tu n'étais pas à la réunion? Tolo n'était pas là. Tolo n'était pas là. Il y a eu réunion. Il y a eu travail. Les histoires qu'on entend là, que oh non, le staff, c'est le staff de la fédération du MINSEM. Restez calme, mon ami. Restez calme. On a dit, oh non, Eto s'est abaissé le carême, s'est excusé, mais Eto a le devoir, en tant que porte, en tant que le nom qui brille le plus en Afrique, dans le football, que quand il pose un acte, il s'excuse par rapport à ses fans, au Cameroun et à l'extérieur. Mais la lettre d'excuse de Mabrice, qui rampait. Pourquoi ces foot ne représente pas ça? C'est foot. Nkoulou. C'est un coulou, machin. Comme il a eu une page maintenant, il fait le buzz à cause de la fédération. Comme il a une page. Je pose la question. Les excuses de Mabrice là. Où tu penses que c'est son clone qui a la fédé? Parce que tu as dit qu'il ne devait pas être là-bas. Tu as dit. Tu as dit. Le président Eto a dit que petit frère, mais bim, me réveille. Je te tape où? Voilà. Le Sissia Djom. Le père Mabrice était choqué. Le gars n'a pas d'âme. Là où il est là maintenant, il n'a que nous. Il y a un seul champion. C'est le président La Fédé. Et c'est tout. Il y a un seul politicien au Cameroun. L'unique politicien au Cameroun. L'unique personne qui fait la politique, c'est le président Paul Biya. Et le président Eto'o l'a dit. L'unique politicien, c'est le président Paul Biya. L'unique. L'unique qui décide, c'est lui. Alors, je vais demander
à tous ces gars, soutien du président Paul Biya, de jour et la nuit, ils sont des opposants. Comment vous vous sentez de savoir que les gens sont venus pour, ils ont bafoué le décret du président Paul Biya. Ils ont même bafoué les injonctions venant directement du palais de chez le président Paul Biya pour le premier ministre afin de résoudre cette affaire. Comment vous vous sentez? Je vois les ennemis de tous les jours et de toujours devenir amis parce qu'il faut saquer l'histoire des taux. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Quelle incohérence! Voilà maintenant que la situation. J'ai encore vu quelque part quelqu'un qui écrit le calme avant la tempête. Quelle tempête? Parlez de quoi? Parlez de quoi? Il n'y a plus de tempête. Il n'y a plus de temps. Nous sommes à quelques jours du match. Leblanc s'est excusé. Il a donné une grosse lettre d'excuse. Bien même. Il a écrit le français. Pas les bajelards, les machins. Et quand tu voyais même Leblanc là, tu savais que le gars a écrasé son ego. Ah ouais. On l'a exorcisé à l'eau bénite camerounaise. Et ça, ça le plaisait tout. Ce que tu dis là, est-ce que moi je peux faire ça en Belgique? Ici, tu es au Cameroun, petit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a mis Cyril Tolo dehors. Vous l'avez vu cette fois-ci. Tolo n'était pas là. Tolo était attaché sur son téléphone, sur Facebook, pour voir comment la réunion s'est passée. Finalement, on a une photo du coach et de la fédération. Pas les histoires où Tolo vient se placer là, hein, avec sa veste pour faire les ouais avec le MINSEP. Ça n'existe pas. Le respect des textes, des lois, des décrets a été imposé. Soyez fiers du président Eto'o. Et maintenant, il y a une autre chose qui arrive. Vous avez osé faire en sorte que le président Paul Biya est calme depuis là, qu'il ne vous dérange pas. Vous avez osé faire en sorte que le président Paul Biya se souvienne que les ministres, il n'a pas fait le remaniement ministériel depuis plus de 10 ans. Écrivez ici. Quand est-ce qu'il y avait le dernier remaniement ministériel, s'il vous plaît? Quand est-ce qu'il y a eu le dernier remaniement ministériel? Tout ce septennat, s'il n'y a pas eu le remaniement ministériel, à cause de notre combi, maintenant le président s'est souvenu que, hey, donc les gars, ils sont là même depuis combien de temps là même? Hein? Voilà, vous l'avez écrit 2019. À cause de notre combi, on se souvient que vous êtes là depuis. J'ai écrit une publication aujourd'hui. J'ai dit à tous mes amis ministres, à tous mes amis ministres, appelez notre combi et dites au combi de dormir la carte. Parce que vraiment, on va se rappeler que ça fait un bail, il n'y a pas eu le remaniement ministériel. Et c'est là où le remaniement va arriver. Parce que le président n'aime pas la honte. On va pas, il ne va pas seulement demander au combi de partir. C'est tout le monde en même temps. Ça va bouger, ça va bouger. Ma grande soeur, la mère, la même Madeleine Tchouette. Tu te souviens l'histoire des chauves-souris? Pourquoi tu n'as pas appelé le combi pour dire au combi que y a combi? Pardon, mon combi, s'il te plaît.
Ne fais pas en sorte qu'on se souvienne que j'existe même encore, que je suis ministre de la Recherche et que j'ai parlé des histoires de chauves-souris ici. Parce que quand ça va arriver des Tudji là, ça va arriver fracas. Le grand frère Ngannou Djoumé ici. Pourquoi tu n'as pas appelé au combi pour demander au combi de dormir la carte? Pour demander au père que le grand frère dort la carte. Parce qu'on va se rappeler que l'autoroute n'est pas encore finie. Depuis hier là, le président j'ai l'impression que les gars s'y font un peu trop le boucan. Amenez-moi vite les histoires là. Chacun d'entre vous, son core business va être revisé. Non. Est-ce que le Ngambé peut démissionner? Jessica Ladouce, le président Eto'o ne démissionnera jamais. Au contraire, on va démissionner qui parle. N'a pas démissionné. C'est impossible. N'a pas démissionné. Du moins, c'est jusqu'à 2 minutes avant que je ne lance mon direct. Il n'avait pas démissionné. C'est un fake news. C'est exactement comme ils ont écrit les fake news des lettres de je ne sais pas quoi avec un français approximatif. Soit disant que c'était c'est l'entraîneur A et les entraîneurs adjoints qu'on a nommé par intérim, qui ont eu à rédiger. Ce sont les blagues. Je ne vais même pas m'attarder sur ça. Pour ne même pas faire le buzz. Jessica Ladouce. Donc, tu penses vraiment que si tu veux prendre comme référence une page, tu vas aller prendre la page de la droguée de Marlène Vautou. Marlène Vautou prend le topa. C'est le cuir qu'elle prend. Quand elle vient manger au restaurant chinois, elle se retrouve en train de prendre le topa. Quand elle boit le topa, elle ne sait même plus ce qu'elle en train de dire. Moi-même, je peux prendre le papier en tête de la Fédération Camerounaise de football. Je change tout ce que je veux là-bas. Vous voulez que je fasse ça? Si j'ai le temps, demain soir, je vais faire ça. Faut pas parler. Marlène fume le cuir, gars. Tu vois que le cuir, c'est le bangalawa, la méthamphétamine, c'est le mélange. Même le focolo, le gay, le tramol, le tramatol, tout ça mélangé, c'est ça qui fait le cure, c'est ça que Marlène prend. On peut les aimer avec son cure. Donc, c'est pas une page là-bas, dit. Elle ne représente absolument rien. Donc, je disais alors, vous avez bien vu, non? Ça va chauffer. Le remaniement arrive. J'ai dit ça, je ne dis rien. Le tsunami que vous avez déclenché là, que le Ntolo a déclenché là, il a menti sur le nom du chef de l'État, mon frère, merde. Il a osé dire que c'est le chef de l'État qui a nommé Mabrice. Une chose que le président n'aime pas. Tu peux saler le nom de tout le monde, mais ne salir pas son propre nom. Ça va chauffer. Non. Est-ce que moi, je ne suis pas un agent gouvernemental, mais je l'ai dit que c'est en train d'arriver. Et tout ça, c'est à cause du fait que il y a un gars qui a poussé qu'on se souvienne même qu'eux, ils existent. Ça va chauffer. Ceci étant dit, la tempête qui devait se calmer depuis est sur le point d'être totalement oubliée. Parce qu'il suffisait de laisser la fédération nommer calmement son staff technique et de dire à Brice Brocante que tu vas travailler avec le staff technique de la fédé. Nous, on s'est battu, on a violé les textes, on a fait en sorte que tu puisses avoir ton contrat. Donc, c'est bon comme ça. C'est tout. Mais ils ont voulu. J'ai vu les pages. Oh non, Eto'o défie le président Paul Biya. Eto'o est en train d'être un dissident. Il fait la rébellion contre le président. Vous avez vu le président Paul Biya devant le président Eto'o. Vous avez vu le président Paul Biya devant Eto'o. Eto'o défie le président Paul Biya. Que vous avez vu le président Paul Biya devant Eto'o. Non? Barga! Barga!
L'inspecteur numéro 1 a dit que c'est le diable qui était devant toi. Pas le président Poulbia. Ce sont ses déclarations. Si vous voulez, je vous mets la conférence de presse, vous suivez ses déclarations. C'est le diable qui a eu honte. C'est tout. Le président Eto'o n'a jamais manqué de respect au président Poulbia. Jamais. Au contraire. Il est celui qui est resté campé sur le fait que le SGPM a dit que son boss a montré la note du boss du PM que le président a demandé qu'il y ait l'entente directe et que comme le MINCEP a déjà nommé l'entraîneur, a déjà fait les manigances qu'ils ont manigancées là et surtout fait une publicité violente pour ne pas baisser la honte au gouvernement, la fédération doit prendre acte de cette nomination et faire de ce contrat pré-engagement et faire un bon contrat à ce sélectionneur et nommer le staff. Voilà ce qui était dit. Mais quand on parlait, quand c'est venu du PM, les gens du MINCEP se sont dit que le PM a inventé. Donc ils peuvent faire comme ils pensent. Bonsoir, je vois. Les gens du MINCEP croyaient qu'ils peuvent faire comme ils pensent parce que le PM a inventé. Ainsi, le SGPM a inventé. Voilà le taux des canons. Voilà le taux des canons. Quand quelqu'un me dit, oh non, on a pris les instructions du chef de l'État, le comble, il voit le président. Il voit le président. Il voit le président. Il a vu le président. Le comble, il voit le président. Il ne voit pas le président. Notre pote ne voit pas le président. Il le voit où? Les institutions que lui a pris là, il a pris ça où? On compte les gens qui voient le président à l'essai. Il a réélargi la sphère des personnes qui reçoit en audience constamment. Et parmi ces personnes, il y a le PM. Parmi ces personnes, il y a le PM. Dans une vérification croisée par d'autres canaux qu'on connaît bien, il a été certifié que l'instruction a été donnée au PM, Roha, que cette histoire ne doit plus se faire de bruit. Que comme le MINCEF a jonglé pour faire une lettre de pré-engagement, dont le gouvernement s'est engagé auprès de Marc Brice, la fédération pour le bien-être du football doit prendre acte et nommer le staff. Voilà pourquoi Eto'o fils, président de la fédération, était campé sur sa position. Vous lui dites que, gars, vous mentez. Ce ne sont pas les instructions, les hautes instructions. Ce qu'on vous dit là, c'est faux. Ça sort de votre petite chambre de diable. Et à la fin, on comprend très simplement que c'est le vrai tuyau. C'est le tuyau du Premier ministre. Et si sincèrement, on avait fait exactement ce qui avait été décidé à la deuxième ou troisième réunion au Premier ministère, c'est qu'il n'y a jamais eu de bruit. Parce qu'au sorti de cette réunion, la fédération a reconnu Marc Brice. Directement. On a vu le nom de Marc Brice sur le site de la FIFA. Donc la fédération a fait sa part. Maintenant, on attend alors les remaniements. À cause de Tolo, il y a eu des remaniements. À cause de Tolo, il y a eu des remaniements. À cause de Tolo et du diable, il y a des remaniements. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Oh, oh, sale, 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 les larmes vont couler. Sale, 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 les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour du remaniement, les larmes vont couler. Oh, oh, sale, 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 les larmes. La bête, c'est que la personne qui me fait le plus pitié, là, c'est le ministre Madeleine Traiteux. Et je suis que le président lui dit que pour maintenir ton poste, tu dois me ramener
1000 chauves-souris dans un sac. Imaginez qu'on demande à Madame Tchou de ramener 1000 chauves-souris. Elle va trouver les chauves-souris où? On va demander 1000 chauves-souris qui ont le corona. Elle va trouver les chauves-souris là-haut. Donc, voilà un peu ce qui se passe. C'est simple. C'est ça. Donc, les gens vont lire là, tout doucement. Comme nouvelle, la fédération a remis sur la table la balle au centre. Et la fédération a décidé de privilégier le bonheur du football camerounais, la santé du football camerounais, les vraies injonctions, pas instructions, injonctions du chef de l'État au regard de la stabilité qui doit absolument régner dans la tanière du football camerounais. Le staff sera le staff de la Fédé. Le staff sera le staff de la Fédé. Bonjour, président. Comment vas-tu? Depuis les États-Unis. Donc, le staff sera le staff de la Fédé, bien évidemment. Et je réitère ici, le dis maintenant, ne fais pas de moi quelqu'un qui est en train de... Voilà, de crâner quelque chose. C'était quelque chose qui était décidé depuis... Je répète encore que c'est le père qui a décidé ça depuis. Il a donné l'instruction. Mais comme c'est passé par le premier ministre, les gens ont cru que ce c'est faux. Donc la personne même à qui on a manqué de respect ici-là, c'est le premier ministre. Et la personne que le président Eto'o respecte même, c'est le premier ministre. Parce que le président Eto'o dit, ce que le premier ministre a dit, que le président a dit là, c'est ça qui est. Le premier ministre a dit ça à son secrétaire général. Le secrétaire général les a présenté la note du premier ministre, claire et nette. Merci beaucoup, président Hilaire. Et voilà. Donc, lui, il est resté campé dessus. Que voilà la vraie instruction. Maintenant, les instructions du téléphone, là. Le président Eto'o n'a pas le réseau. Vous avez dit que vous ne voulez pas SAP mobile au Cameroun, non. Donc, quand tu appelles le président Eto'o, avec Orange ou MTN pour lui donner les instructions, il va te dire que je n'ai pas le réseau parce qu'il attendait SAT mobile. Donc, quand quelqu'un comme Tolo, tu vaux quoi dans l'échiquier? Bon, grand frère, tu es même entré dans cette bagarre que sincèrement, Gwemakoué, tu as les pieds, tu as la poitrine. Tu peux encaisser. Si le président Eto'o décide maintenant de monter sur toi, comme un rouleau compresseur, là, tu vas t'en sortir. Personne ne peut te sauver de lui. Je répète encore, grand frère Tolo, si le président Eto'o décide de te travailler, personne ne peut te sauver de lui. Personne, je dis personne. Mais on sait qu'il ne va pas le faire. Parce qu'il n'a pas le temps, mon type. Le président Eto'o, c'est un footballeur. Il est un grand président, mais un grand manager dans son institution qui est la fédération, l'association là. C'est un costaud manager, on voit. Mais il reste footballeur dans l'âme. Au lui, dans sa tête, quand il a joué un match, il a gagné, il pense au prochain match. Et il doit toujours être plus performant que le match précédent. Donc, Tolo, comme il t'a frapponné là, il n'est même plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Il n'est plus. Sincèrement, c'est ça ta chance. Il n'est vraiment plus avec toi. Il t'a frapponné, il est parti. Il est quitté dessus. Il a travaillé l'esprit de Brice là. Est-ce que vous avez suivi Brice dit même encore que c'est moi qui décide. Tu viens décider dans le pays de pluie. C'est le pays du président Paul Biya Motsi. Il est le seul qui décide. Mon ami. Voilà maintenant que tu as été framponné roi. On t'a répété que en Belgique, je voulais, on peut faire ça. Ah, moi, je suis en Belgique, je sais qu'on ne peut pas faire ça, gars.
Et je vais vous donner l'information. En Belgique, ici, où je suis là, un Belge qui parle français, il est du côté de la Wallonie, ne peut pas venir gueuler ici, là, en Flandre, où on parle le flamand. Il ne peut pas. À tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, d'abord qu'il y a le gouvernement wallon, il y a le gouvernement flamand. D'abord au niveau politique, au niveau entrepreneurial, ou même au niveau de la, des maisons, même au niveau du petit travail. Un wallon ne peut pas venir gueuler ici. Tu gueules, on te travaille. Et pourtant, c'est le même pays. Mais, comme ils sont dans leur fédéralisme, là, c'est le même pays. Hein. Demandez à Marc Brisquet flamand. Est-ce qu'il peut aller à Liège gueuler? Ou à Mons gueuler? On va le mettre dans la voiture, on lui dit que rentre. Rentre chez vous. C'est le même pays. Donc quand je vois quelqu'un comme Ekoul, qui ne sait même pas comment voici, je suis en bain. Il est 20h56, il y a encore la lumière du soleil dehors. Il n'a jamais vu ça dans sa vie. Et il vient parler des choses de merde. Ekoul de ses foot. Est-ce que tu as déjà vu à 21h, tu as déjà vu la lumière? Comme s'il était 17h. Tu n'as jamais vu ça. Donc comment tu peux parler des trucs de merde? Au point de dire, je demande pardon au peuple belge. Je connais le peuple belge. Mon frère, moi, il vit en Belgique. Bonsoir, Marie. Avant de parler des choses de merde, il faut au moins que tu puisses voir l'été avec tes yeux. Vois qu'il est 21h, il fait encore jour. Il faut que tu sois même comme Vanister ou le petit là, Nel Cruz. Les gens comme un peu voyager, les Béatrice Doudou. Avant de parler des choses de même. Quelqu'un que son plus long voyage qu'il a pu faire, c'est quand il a pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, mon frère. Et c'est lui qui se permet de parler. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Maintenant, voilà comment le football s'est calmé. Et qui a calmé le football? C'est le fils du président Paul Biya. Le président Eto'o. Vous avez amené le petit boucan. Le gars vous a amené la rage. Vous avez amené le petit boucan. Lui, il a aussi un autre. Il a amené la rage. Vous avez compris que Mion calme. Vous voulez engager le gâté. Vous avez voulu engager le gâté, gâté. Le gars vous a montré que gâté peut être roi. Vous avez calmé. J'ai vu des gens s'agiter. Oh non, la honte. Le président et toi, Agenja, c'est honteux. Allez vous faire foutre. Nous sommes Camerounais. Et chez nous, le Sissia est maître. Le Sissia est maître. Tu blagues avec moi, et te montre le feu. Ouah. Mais même s'il vient après pour te dire, hey, pardonne-moi, excuse-moi, je t'ai montré le feu. Même s'il vient te dire, pardonne-moi, je t'ai montré le feu. La rage. Pareil, pareil. Tu blagues avec un Camerounais, te montre le feu. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais été autant fier de l'homme et ton fils comme j'étais hier là. Que, c'est le genre de rage ici qu'on veut. Le blanc là grelottait comme ça. Là. Il tremblait comme ça. Là. Jusqu'à son type qui a les godasses là, le Congolais qui a les chaussures de Mokolo là. L'arrêtait seulement entre les mains que gars ne pisse pas sur toi, ne chie pas sur toi. Peut-être un mini-morton même était assorti. Parce que le gars, il a pu toucher, il a pu voir l'âme du lion. Quand on lui a dit que c'est le pays des lions indomptables, il croit que le Cameroun est passé. Quand le président et toi regardé le monsieur-là dans les yeux, le monsieur-là a pu
voir l'âme du lion. L'âme du lion. Il a compris que en face de lui, il a quelqu'un qui aime tellement le Cameroun et aime le football camerounais que il peut le manger devant les gens. Ouah. C'est l'âme du lion. L'âme du lion. Il a vu la différence entre les péteurs et le lion. Quand Tolo a voulu lever le ton, il a dit à Tolo que tu n'as pas le droit de parler ici. Quand Tolo a voulu lever le ton, on a appelé le directeur du protocole, on a dit au directeur du protocole que allez chercher la sécurité, qu'on le foute à la porte. On l'a foutu dehors. Et Tolo, qu'est-ce qui s'est passé après? Tolo, qu'est-ce qui s'est passé après? On t'a foutu dehors comme un malpropre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien ne s'est passé. Le président de la fédération, Samuel Etofis, a demandé à la sécurité, les gars qui sont en jaune, de te porter, de te jeter dehors. Et rien ne s'est passé. Le Cameroun a continué à vivre. Rien ne s'est passé. Tu sais pourquoi? Votre pipi là, ça tombe à 1 mètre. Pour le président, il te tombe à 3 km de nous. Ouah. Le Sissia. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu as la chance. Je te jure que tu as la chance. Que Eto m'était devenu manager, un grand manager, un président, un machin. Le gars est là, il salue les présidents. Il est là, il est le fils du président Paul Biya. C'est ça ta chance. Parce que la gifle qu'il devait avoir te donné, et rien ne devait se passer. Au maximum, tu devais aller porter plainte. Tu vas aller porter plainte. Sérieusement. Donc, pour résumer notre live, depuis le début de cette affaire, la fédération a été conciliante. Pourquoi? Parce que la note qui demandait au président de la fédération et à son comité exécutif de dormir la carte sur Mabrice, ils ont bien vu la note là que c'était ça, ça sortait de chez le père. Le président Etofis a compris aussi que, gars, le président Paul Biya a une vue d'ensemble bien plus avancée que la sienne. Alors, il a dormi la carte. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le père a dit, et surtout que dans la note, on ouvrait une porte d'arrangement. Que, ok, comme vous n'avez pas, on vous a forcé la main pour l'entraîneur, vous gérez le côté du staff. C'est simple. C'est un moitié-moitié. C'est moitié-moitié quand même. Personne ne perd la face et vous allez apprendre à vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Voilà pourquoi le président Paul Biya a une vue qui voit encore bien plus loin que tous ceux qui sont autour de lui. Bisous à toi, Sheila. Voilà, nous sommes arrivés exactement au même niveau, au même endroit, au même moment qu'il a eu à demander depuis au Premier ministre de s'arranger à ce que les gars puissent tomber là. Les gars n'ont pas, les gars du MINCEP n'ont pas voulu comprendre parce qu'eux, ils avaient d'autres instructions qu'on ne connaît pas d'où. Et ils ont dandiné, ils ont tapé le corps, ils ont tourné les flics arrière, ils ont retapé le corps. Et à la fin, ils sont tombés exactement où le président avait dit avant. Vous avez fait votre boucan avec Mabrice. La fédération, acceptez Mabrice, il n'y a pas de problème. Ça va aller. Mais vous nommez le staff et vous faites en sorte que le staff travaille avec Mabrice. Ça veut dire, vous avez vos gens. Le ministère pas ces gens, personne ne perd la face, le football gagne, on continue. Mais comme vous n'avez pas voulu écouter le président, le remaniement arrive.
Le remaniement arrive. Le remaniement arrive. Moi, j'ai vraiment mal. Parce qu'il est inadmissible que le premier ministre gère une situation et un simple ministre continue à faire un boucan dans ça. C'est à ce niveau que moi, en ce qui me concerne, je suis. Je réitère encore. Il est inadmissible dans une république comme celle du Cameroun que le premier ministre sur injonction, pas sur instruction, injonction. Donc ça veut dire le président n'instruit pas, il te donne l'injonction que dans l'ordre, sur l'ordre du président, l'ordre. Que je, comme je vois l'histoire à venir, je ne veux même pas que ça pète. Règle-moi ça. De suite, tu me les convoques et que tu dises, roi, que j'ai décidé que. Voilà. C'est injonction. Le premier ministre prend sur lui. Via son secrétaire général. Comme c'est le secrétaire général qui avait commencé à gérer l'histoire depuis le rapport de la CAN. Parce que le rapport de la CAN a été fait au secrétariat général du premier ministère. Et c'est lui, maintenant, le secrétaire, le SGPM, qui a remonté avec des notes de service le rapport que la fédération a eu à faire par rapport à notre aventure en Côte d'Ivoire. Alors, on a dit clairement au SGPM que comme tu as continué, comme tu as commencé, voici la note que le président a eu à donner. Tiens, l'injonction du président dit que le SGPM a convoqué le ministre des Sports, a convoqué la Fédération Camerounaise de football, les a signifié cette injonction. Et à la sortie de ça, eux, ils ont eu leurs autres coups de fil, croyant que ce n'est pas ce que le président a dit. Et ils ont commencé à faire le désordre. Où sommes-nous? Où sommes-nous? À Bagages. En tout cas, mes chers frères et sœurs, si c'est, on peut appeler ça mauvais, c'était ça en fait. Voilà ce qui était caché le plus dans l'histoire. Quand le président Eto'o a dit, quand vous voulez faire le désordre, vous dites que ce que le premier ministre a lui a donné, a écrit sur sa note et que le secrétaire général nous a montré n'est pas vrai, alors moi aussi je décide que votre coach là, il n'est plus coach. Comme je l'ai reconnu, croyant que vous dites que c'est vrai, maintenant je dis alors que moi aussi je ne le reconnais plus. C'est comme ça que dans le pays de Gâté est devenu roi. Heureusement que dans le pays de Paul Biya, le Gâté n'existe pas. Il a arrangé. C'est tout ça. C'est simple et clair et limpide. Donc la fédération sera toujours là pour le bien-être de tous par rapport au football camerounais. Et la fédération ne peut jamais entrer en fighting avec le président de la République. Parce que le président de la République, c'est le premier des sportifs. Je vois les gens dire, oh, le président Poubia, c'est le premier des footballeurs. Non. Le président Poubia est le premier des sportifs. Lui-même, il a dit, il n'y a pas de sport majeur et il n'y a pas de sport mineur. Donc, il ne faut pas mettre le président Poubia dans une capsule du football. Il est le premier des sportifs. La preuve, vous l'avez vu, à son âge, quand vous aimez parler de son âge, courir pendant la cérémonie du 20 mai, il saluait tout le monde. C'est le premier des sportifs. Donc, respectez cela. Vous voilà. Respectez cela. Je vous souhaite une agréable soirée. Bien de choses à vous. Le calme est revenu. Que la paix soit. Salut.